Le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Eh bien, cette démarche à laquelle nous invite aujourd'hui ces premiers vœux de sœur Nadia Marie de la Croix, il me semble que le premier point, c'est une invitation à rendre grâce à Dieu. Vous avez déjà été consacré par l'eau et par l'esprit au jour de votre baptême, comme en témoigne le cierge allumé que vous tenez en vos mains. Voulez-vous, au titre nouveau de la profession religieuse, être lié à Dieu plus étroitement? Les quatre vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance et d'hospitalité, vous consacrant ainsi au service de Jésus-Christ dans les personnes âgées pauvres, selon la tâche providentielle confiée par l'Église à la congrégation des petites sœurs des pauvres. Que Dieu Tout-Puissant vous l'accorde par sa grâce. Amen. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, sœur Nadia Marie de la Croix, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour 2 ans selon les constitutions. Nadia Marie de la Croix, recevez les constitutions des petites sœurs des pauvres, dont de l'Église, et qu'ils soient